les amis, c'est Danton Bullet, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la suite de ce Let's Play sur Assassin's Creed Origins, c'est donc la deuxième partie de ce 11e épisode, sur ce Let's Play il me semble. On s'en est arrêté après les secrets des premières pyramides, quête qui était, enfin quête secondaire qui voilà, était visiblement disponible avec la précommande du jeu. Bon, c'était pas mirobolant non plus, même si c'était un petit peu intéressant. On a découvert un nouveau lieu, on va s'empresser d'enclencher de la quête secondaire. Avant d'explorer, parce qu'on a un paquet d'endroits à explorer et j'ai pas envie de revenir 15 000 fois aux mêmes endroits. C'est impossible. Oh, par les dieux, si c'est lui. Allez, c'est qui lui? C'est moi. Ah. Ah, oh, par contre les chargements. Tu dois être très courageux ou très stupide pour mettre les pieds ici. Mais j'ai une PS4 toi. Pro, hein, donc j'imagine pas qu'une PS4 normale. Accepte mes humbles bénédictions. Oh. Chien, Nekentiadet. C'était la femme de Rujek. Tu t'attendais à un chaleureux accueil? Mais c'est qui Rujek? Allez par ici, Bayek, et apporte donc tes 1000 bénédictions. Tu en auras ah, besoin. Rujek, c'était l'ancien... Enfin, c'était le lézard. Je suis triste pour elle. Mais c'était nécessaire. Ça a l'air d'aller. Mieux que lorsque je t'ai trouvé. À ce propos, tes talents de tueur ont progressé? Rujek n'était que le premier. Oui, t'as trop. Ah non. Le héron. Le héron. Où est-ce que tu m'emmènes? C'était celui qu'on avait tué au début. Implorer le pardon d'Anubis. Le pardon? Je ne vois pas de quoi tu veux parler. Évidemment, comment le pourrais-tu? Tu es parti dès ton réveil. Tu sais que c'est ici qu'on extrait tout le natron d'Égypte. On l'envoie en grande partie à Memphis, pour recouvrir le corps des morts. Ok. Donc ça doit être ça, je suppose. On va où? Regarde-moi. Ça... Non, tu es malade. Oh, par contre, les échos, dès qu'il y a une petite cuvette, laisse tomber l'écho de malade. C'est un peu abusif quand même. Mais le natron a d'autres usages. Il permet notamment de nettoyer les plaies. Ou encore les taches de sang sur mes mains, par exemple. D'accord. Ça a l'air de guérir, Neb. Je vais dire à l'un de mes aides d'apporter quelque chose pour la douleur. Et mon frère? Il se remet. Il a besoin de repos. Tu n'as pas besoin de me le rappeler. D'accord, il faut que je fasse quoi? Ok. On fait quoi là? Ah, pourquoi c'est bon. Vous avez autant de malades? Parce que le dieu Anubis est mécontent. Depuis ton départ, les torches de son sanctuaire. Nous ne sommes plus protégés. De qui? De la colère d'Anubis? Tu te moques, mais des gens ont été gravement blessés en tentant de les rallumer. Certains ont même disparu. Il est désormais clair qu'Anubis exige ton repentir et le tient seul. Bon, ça nous mène où cette histoire? Parce que je veux bien te suivre, mais... Je suis limite tenté d'aller activer la quête là-bas. Je suis sûr qu'elle sera pas arrivée. Oh. Je vais rallumer les torches et mettre fin à cette malédiction, à ce présage, peu importe. Tu ferais bien de t'y atteler, si tu désires apaiser Anubis et obtenir mon pardon. Sophia, apporte de l'encens aux hommes près du bassin, veux-tu? Putain, mais c'est quoi cette quête là, sérieux? Oula, il y a un truc chelou avec elle. Inutile de te rappeler d'être prudent. C'est quoi cette quête là? Il existe trois sanctuaires. Un au sud, un au-dessus d'un puits naturel, et un dernier dans la pyramide penchée. Tu sais comment rejoindre celui-là. D'accord. Alors, juste on fait un petit truc, je regarde, il n'y a rien du tout. On va juste, voilà, vérifier les endroits. Ben voilà, forcément, donc j'ai bien fait de pas trop fouiner par là. On a un endroit là. On a encore un endroit inconnu par ici.
Mais je pense qu'on va falloir venir confirmer. Alliance avec les rebelles, on va. Ouais, on va s'occuper de ce sanctuaire peut-être. Et on va enclencher cette quête secondaire, ce sera fait. Cible localisée. Qu'est-ce que tu veux me montrer, mec? Ah, il y a un truc là-bas. Ah, il y a un coffre. Juste là. Bon, allez, on va le chercher. Je crois que c'est une tanière hein, là-bas. D'ailleurs, en parlant de ça, je me suis un petit peu renseigné sur les trophées. Et donc, enfin, je me suis pas spoilé, hein, vous inquiétez pas, je me suis juste renseigné sur l'obtention de certains trophées ou des trophées qui étaient cachés, dont par exemple, bah, je voulais voir pour Oxyr 30 ennemis avec les jars d'huile là. Bon, malheureusement, j'ai pas eu plus d'indications que ça. Mais, enfin, hop, hop, hop. Enfin, du moins à ce sujet. Oh là, je vais me faire tuer. Putain, mais il esquive le con. J'ai quand même pu voir quand même comme, enfin, plus en détail certaines petites choses que je redoutais. D'accord, donc c'est bel et bien par là. On verra après. On va d'abord aller là-bas. Et oui, il y avait aussi le fait de nourrir un prédateur avec un corps. Et donc ça, c'était par exemple un des trophées que je... Un des trophées sur lequel j'avais buté, étant donné qu'on avait tenté ensemble l'expérience et que ça n'a pas donné grand-chose. Bon, on va peut-être allumer la torche d'abord. Donc bah, pour nourrir le prédateur, du coup, je sais grosso modo comment faut faire. J'étais pas loin, hein. L'idée était bonne, mais au final, la meilleure méthode, c'est de choper un corps, de l'embarquer à cheval et d'aller au-dessus d'une tanière de hyène, par exemple, et de balancer. Parce qu'on peut balancer les corps. En fait, il faut viser avec L2 et avec R2 balancer. C'est comme avec la torche, en fait. Si on fait que R2, on va juste la poser par terre. Cette torche est tombée. Où est le dessus? Oh mec. Cette clôture est cassée. Les gens se sont battus. Bon. Oups. C'était pas l'effet escompté. C'est ça? La tête de la torche. Elle a dû tomber de la corniche quand la torche a été renversée. Ah merde. Elle est morte elle. Je peux plus interagir? Bon, on va grimper. Là, c'est la deuxième fois que je trouve les trucs là du premier coup. Je loupe peut-être des trucs finalement. Les amulettes. Ça devrait faire l'affaire. Je n'ai plus qu'à l'allumer. Torche, ok. Et je fais quoi? Comment je fais? Gardien voilà. De la douate. Je rends honneur à ton nom. Allez, c'est bien. Je regarde vite fait. Non, c'est bon, y a rien aux alentours. Putain, j'ai beaucoup de mal à parler. C'est un gros débile. Yo, le mec qui fait des assauts imaginaires en plein milieu d'un désert. J'ai envie d'ouvrir quelqu'un. J'aurais peut-être dû l'assassiner au lieu de perdre du temps comme ça. Je suis un peu nulos. Nulos, hein, expression des années 50, genre à Paul. Ouais, par contre, je vais me faire dérouiller sévère. Ouh là là, c'est pas bon là.
Allez, Yalla. T'en fais pas, mon gars. Bon, je les dérouille tous, désolé, hein. Ça prend un petit peu de temps. C'est vrai que je devrais appeler mon cheval, ce serait peut-être plus pratique. Voilà, ou alors carrément faire un truc. Crac. Pas gentil ça. Bon, on va taxer le cheval. Ça va aller plus vite. Soyez prêts à faire mouvement. Ces vermines nous observent sûrement. Nous avons enfin réussi. Puis les chevaux, ils paniquent pas. Libère-moi, tu veux ? Aussi stupide qu'un babouin. Est-ce que je peux te parler, oui? Tu es Bayek de Siwa, n'est-ce pas? J'ai entendu parler du Medjay qui a traversé le désert. Je suis Théodoros, l'un de ceux qui s'opposent au Filakitai. C'est ce qui t'a conduit dans cette cage. Oui, une attaque ratée. Je traque Dératos, un général de Ptolémée, qui voue une haine implacable aux Égyptiens. Un tueur de mère, de père et d'enfants. Je n'aurai de repos que lorsque sa carcasse sera sous terre. Accepterais-tu de nous prêter main forte? Avec plaisir. Ta cause est juste. Parfait. Mes hommes et moi, nous allons nous regrouper à Bakias. Viens avec nous. Comment un grec se retrouve à défendre la cause du peuple d'Égypte? Faut le suivre. Bon, on va le suivre. Qu'est-ce qui te prend? Allez, viens. Mais c'est eux les rebelles? Mon père. Ah ouais. Égyptien. Un jour, j'ai laissé couler tout le sang grec qui court dans mon corps, et je me suis juré de débarrasser l'Égypte des crapules comme Dératos. Nous avons failli réussir. Nous avons trouvé son campement, mais ils étaient plus nombreux. Nous avons dû battre en retraite. J'ai été capturé par un convoi d'éclaireurs, et battu jusqu'à ce que je révèle notre lieu de repli. Mais à la place, tu les as conduits dans un piège. Bravo. Je savais que mes frères me libéreraient. Mais j'ignorais que le Medjay de Siwa serait parmi eux. Mon groupe a beaucoup de respect pour toi. Nous avons passé des années à traquer Rujek, avant d'apprendre que tu t'en étais occupé seul. Bon, du coup, on est dans la nouvelle région, hein, prochaine région de la quête principale. On ne peut pas dire que tu es notre allié. Pourtant, tes objectifs et les miens sont parfois les mêmes. Non ? Oui, ce que tu dis n'est pas faux. Nous allons nous installer ici. Et attends... Bon, il y a un trésor à récupérer par là. Crac ! Juste, je fais ça, hop. Il est où le coffre ? Par là, forcément. Bah, je vais récupérer le coffre tant qu'à faire si tu permets. Nous allons nous installer ici et attendre le bon moment pour frapper. Ouais. Faut peut-être aller à l'intérieur du coup. Attends, il n'y a pas un passage. Ouais, faut aller à l'intérieur. Bon bah du coup désolé, je fais une petite la petite aparté jour. What? Je pensais qu'il dormait. Bon, en même temps, dormir à côté d'un serpent, ça a l'air un peu improbable. Bon, après, ça aurait pu être son copain, hein, je sais pas. Allez, hop. Hop. Allez, c'est bon, on arrête les conneries. Ouais. J'aimerais bien que tu te dépêches. On aurait pu sauter aussi. Bah c'est de l'XP gratuite hein. Oui. Je vais me renseigner. Mais les chiens, ils ont envoyé des groupes d'éclaireurs. Théodoros, Dératos a quitté le campement. Dératos est parti. Nec, il m'échappe encore une fois. Que faut-il faire? Réfléchissant.
Nous avons là une occasion unique de faire d'une pierre deux coups. Nous allons attendre le retour de Deratos au campement. J'ai appris que son scribe personnel était resté en arrière à Caranis. Si l'un de nous montre son nez là-bas, il sera repéré. Toi, ils ne te connaissent pas. Alors ramène-nous le scribe. Putain, j'adore comment, tributaire nuit, de... Il dort dans de la X, X personnes. Pendant la journée, il travaille quelque part dans le temple, ou sur la terrasse qui surplombe le lac. Il est habillé avec élégance, et depuis l'échec de notre attaque, des gardes l'accompagnent. Tu ne peux pas le rater. Tributaire, Non, tributaire, ouais, je crois que c'est ça, ouais. Bon, très bien, et eh ben vous savez quoi, on va passer à l'autre quête, parce que tout simplement celle-là nous emmène trop... Attends, on va regarder la carte au cas où... Ouais non, celle-là nous emmène trop dans la nouvelle zone, et c'est, je suis pas d'accord. Mais au moins elle est enclenchée, comme ça quand on enchaînera avec l'autre zone, et eh ben écoutez, on sera avancé là-dessus. Bon, par contre, je vais faire une micro-coupure le temps d'arriver là-bas. Je vais regarder sur le trajet, il y a 7 zones. Donc à mon avis, c'est là-bas que ça va se passer, hein. Qu'on se le dise. Ok, bon, je vais faire une micro-coupure le temps de m'avancer un petit peu. Hop, ça c'est cadeau. Et c'est parti. Bon, je sais pas pourquoi, je sens que ça va être une tanière. On est bel et bien en présence d'une tanière, je crois. Donc ce que je vais faire, parce que j'ai l'impression qu'il y a des mecs aux alentours. Mais je rêve ou c'est une hyène qui va m'attaquer là. Il faut que je trouve un mec. On va faire le trophée maintenant. Je crois qu'en plus il y avait un gars qui était en train de se barrer. Attendez. Travail. Lui. Attendez. Je vais aller le choper. Je vais le mettre sur le cheval. Hop. J'ai mon cadavre. Je pense que j'avais trouvé le bon endroit pour grimper et lancer le corps. Ah, attendez, parce qu'il faut pas que je déconne, faut pas que je me fasse repérer non plus. Comment je vais faire? Ouais, je vais passer par là. Sachant qu'elle est type là, on va les laisser passer. Voilà. Allez, fais péter le corps, mon gars. Ah, on reste efficace, hein. J'essaie de faire d'une pierre deux coups. Bah, même plusieurs. Enfin, même trois coups. Bon. Ouais, j'ai peut-être pas choisi le meilleur spot pour faire ça. Sachant que j'ai pas envie de me faire repérer par celle-là. Faut que je sois le plus près d'elle, hein, pour que ça marche. L'une des torches doit être ici. Hop. Il y a du sang sur ces étoffes. Quelqu'un Est-ce les que a ça a marché? Ça les a attirés? Oui, ça les a attirés. Yes! Ça marche. Ça marche. Ah, salut. Gagnez-moi un peu de temps. Je dois partir. What? Mais... Les mecs... Gagnez-moi un peu de sang, je dois partir. Oh, puis les hyènes qui s'y mêlent. Oh, j'aurais dû apprivoiser une hyène. Allez, c'est ça. Voilà. Bon, allez, on va tous se les faire. Yeah. Saloperie! T'as mis en encore plein! Ils en veulent aux chameaux, laissez-le tranquille! Je suis un défenseur des opprimés, des chameaux! Bon, par contre, c'est vrai que, petite parenthèse entre nous, j'ai pas l'impression que cet opus va nous donner des réponses sur le scénario du présent. Bonjour. Bon, tant qu'à faire, hein. On va gagner du temps. Voilà, allez. On a gagné du temps, on chope le coffre, c'est bon. On va arrêter les conneries une bonne fois pour toutes.
un petit coffre qui fait plaisir. Oh. Cette viande faisandée dégage une puissante odeur. Quelqu'un cherche à attirer des prédateurs ici. Et donc oui, hein, j'ai eu le trophée, je sais plus s'il avait précisé. Les amulettes d'Anubis. Quelqu'un les a placées ici. Pourquoi ? Ah, donc il y avait des amulettes là-bas aussi. C'est inquiétant tout ça. Les amulettes d'Anubis. Non mais je sais ! Gardien de la douane. Ça c'est fait. Je rends honneur à ton nom. Oui. Je suis tenté d'aller là. Je suis tenté d'aller là parce que hormis la quête ici, bon, à tous les coups, je connais les bails. À tous les coups, on va devoir y retourner via une quête. Mais j'y vais quand même. J'y vais dans le doute parce que si on doit pas y aller, du coup, il va falloir que je fasse un détour. Et ce serait chiant de faire un détour uniquement pour un spot qui est isolé. Donc j'y vais et puis tant pis si on y retourne. Écoutez. Ah oui, donc pour évoquer le fait que j'ai cherché, que je me suis renseigné un peu sur les trophées, je voulais me renseigner également de voir s'il n'y avait pas un trophée caché qui concernait les silices à récupérer. Et donc non, il n'y en a pas. Donc ça, ce sera du bonus. J'espère y arriver quand même et je ferai en sorte d'y arriver dans tous les cas. Ne vous inquiétez pas, je vais faire le let's play à fond, comme j'aime à le faire d'habitude. Oui, parce que j'ai parlé avec un de mes contacts, qui est un ami d'ailleurs, et je lui ai expliqué, parce que lui, voilà, il était un petit peu mitigé pour prendre cet Assassin's Creed, il hésitait, il voulait pas se faire avoir, et du coup, en gros, je fais un crash test pour lui, et je lui ai quand même dit que, j'en suis à plus de 45 vidéos, et que pourtant, on en est a priori même pas à la moitié, quoi. Il m'a dit que j'en faisais trop. Oui, peut-être. Peut-être que j'en fais trop, mais j'aime bien faire les trucs à fond. J'aime bien faire les trucs à fond. Alors effectivement, c'est vrai que c'est un peu le traquenard, un jeu comme ça, parce que c'est juste énorme, quoi. Et comme je vous l'ai dit, je voulais vous faire du The Witcher 3, et finalement j'ai renoncé. Bon, après, je pense que j'aurais pas fait le jeu avant. Je l'aurais fait. Dans tous les cas, je l'aurais fait. Là, c'est vrai que le jeu, je l'ai fait deux fois. Donc, j'avais pas non plus envie de forcément de me le... Ah, c'était un ami. J'avais pas forcément envie de me retaper le jeu une troisième fois, étant donné que c'est quand même super long, quoi. Et en fait, je crois que quand l'écran se floute et qu'on entend le cœur battre et tout, c'est une sorte d'hallucination. Putain, me dis pas que c'est dans la pyramide. Après, bon, si c'est dans la pyramide, on fait d'une pierre deux coups. Ouais, ça va être dans la pyramide. Bah du coup, je vais pouvoir enclencher l'autre quête secondaire. Allez, bah du coup, on y va. Je voulais laisser ça plus tard, mais non. Bah, c'est pas plus mal, hein. On y va. J'espère juste que ça va pas trop traîner parce qu'on a déjà pris du temps. Il y a quelque chose dessus ou pas? Non. C'est bloqué. Il doit exister un autre passage. Les traces sont récentes. Ah! Il doit y avoir un autre moyen d'entrer. D'accord. Bah, ça veut dire qu'il faut trouver une autre entrée. Et je suppose que ça va être... Allez, arrête! Mais je reste appuyé sur rond! Attendez, l'entrée elle est où? L'entrée a priori elle est par là. Oui. J'utilise le piaf parce que sinon ça va être long et chiant. Attendez, c'est une entrée secrète ou quoi? Eh mais je suis juste devant, je suis Kiki moi aussi hein.
On va faire attention de rien louper. Mais je vais essayer d'accélérer quand même, parce que... Bon, après, si c'est comme la deuxième pyramide à Gizeh et qu'il y a... Ça va vite être vu. Il doit y avoir quelque chose derrière. Voilà. Ah, des barons. Je fais comment? Les mecs, je fais comment? Non mais sérieux? Non mais c'est quoi ce bordel? Je fais comment pour y aller? Elle me dit pas que c'était là-bas. Me dit pas que c'était là-bas parce que je vais péter un câble. Qu'est-ce que c'est que ce putain de bordel? Ah, j'en ai marre. C'est quand j'ai pas le temps qui... Mais non, c'est quand j'ai pas le temps qui me fait ça, le jeu. J'y crois pas. Bon, attendez, je fais un petit tour en aigle. Je fais un petit tour en aigle. Improbable, quand même. Bon, mais... Je sais pas. À moins qu'il y ait une entrée de ce côté-là. Mais je l'ai pas vu avant. Là, ici, non. Non, mais ça doit être là-bas, en fait. Ça doit être là où on est passé. Mais je sais pas où. Je sais pas du tout où est-ce qu'on peut... Alors peut-être que j'ai mal vu. Hein. J'ai juste peut-être pas regardé. Hein. Là où il fallait. Bah du coup j'y retourne. J'y retourne et on va voir. J'étais en train de me dire, est-ce que ce serait pas là où il y avait la poutre là? Parce que j'ai hésité à grimper, j'ai essayé même. Mais ça n'a rien donné. Est-ce que ce serait pas genre là par ici? Non, pas du tout. Je me fais un gros fuck. Je sais pas. Je sais pas du tout. Je suis totalement bloqué. Bah il faut que je trouve hein. Il faut que je trouve. Bon, en bon joueur, j'ai dû j'ai cherché sur internet, ça m'a saoulé, je trouvais pas. Et j'ai eu l'idée en fait, mais je pensais pas du tout que c'était ça. Et finalement si, c'était ça. Donc il faut tirer là-dessus. La voilà, est libre. Il faut péter ça et il faut retourner là-bas, pousser le bordel et passer. C'est tout, c'est tout. C'était juste ça. Depuis tout à l'heure, je tourne comme un con. Franchement, j'ai tourné pendant un quart d'heure, ça m'a gavé. Ça m'a gavé et du coup, j'ai cherché sur internet. Je me suis pas spoilé la suite de la mission, mais voilà, j'étais totalement bloqué et bah, j'en suis désolé, hein, mais. Après j'ai eu l'idée mais ça me semblait con en fait. Parce que pour moi le truc pour le pousser il fallait qu'il soit sur des rails. Là visiblement non, ou alors peut-être que les rails je les ai tout simplement pas vus. Mais voilà, sachez que j'ai eu l'idée mais que j'ai pas expérimenté. Donc c'est de ma faute. Ça m'apprendra à pas tester des choses aussi insensées semble-t-elle. Ok, bon bah du coup on y retourne. Déplacer. Ah mais il y a bel et bien des rails en fait. Ouais mais bon ils sont... Ouais. Ok. Ok ok. Cette salle. D'ici que ma quête a commencé. Ah. Quelqu'un a pris grand soin de cette salle. C'est ici que sa quête a commencé. Donc ça veut dire que par rapport aux origines de Bayek et par rapport à ce qu'on a pu voir au tout début du jeu, ça signifie qu'il y a... Que cet endroit représente quand même quelque chose. Il y a des trucs derrière. Je suis sûr qu'il y a de quoi explorer. Je pense qu'on va terminer cette vidéo en explorant. C'est ici que ma vie s'est écroulée. Quelqu'un y a construit un mémorial qui ne devrait pas y être. Ok. Pour Rujek. Personne ne devrait honorer le serpent qui est à l'origine de ma terrible quête. D'accord. Donc là, on parle bien des origines encore de Bayek, quoi. Qu'est-ce qu'il cherchait à faire ici? On va allumer ça. Gardien de la douate. Je rends honneur à ton nom. Ok, je vais juste regarder. Voilà, il faut retourner la voir. Je vais juste regarder l'autre quête où est-ce qu'elle donne. Oups là, pardon. Premier sang. Je dois retourner voir Nefertari. Il est où le tombeau? Ah, mais il est juste là. La flèche de Rujek. C'est avec elle que j'ai rayé son nom de ma liste. La voilà sur le sol, oubliée.
Quelqu'un a scellé cette salle. Je sens toujours l'odeur du sang que j'y ai répandu. Un héros momifié. Pour la résurrection? Non. Celui qui a fait ça devait connaître la place de Rudjek au sein de l'ordre. D'accord. Rudjek ne mérite pas de sépulture. Mais ceci est une insulte. Ce tombeau est digne d'un pharaon. Celui qui a fait ça a profané cet endroit. Ok, donc en fait ils ont enterré un type qui, enfin un bad guy quoi, carrément dans une pyramide. Ouais, ça c'était obligé. Je m'en doutais un petit peu. Masque de Rudjek. Je me rappelle à peine ce qui s'est passé après l'avoir tué. Cette salle m'a appris tout ce que je devais savoir. D'accord. Cet endroit a marqué le début de ma quête, et la fin de Rudjek. Et la flèche a servi pour les deux à la fois. Tout s'est assombri lorsque j'ai poignardé ce chien. Lorsque je suis revenu à moi, Rudjek était mort. Ça, on l'a pas vu, hein, il me semble pas. Le corps de Rudjek aurait dû pourrir ici. Quelqu'un qui voulait le voir rejoindre la douane comme il se doit s'est occupé des cérémonies. Celui qui a inhumé Rudjek a aussi laissé ce héron pour l'honorer dans l'autre monde, grâce à ce maudit symbole. Et si je dois en croire ces bougies, il est ensuite revenu rendre hommage à Rudjek. Quoi qu'il en soit, je sais que le cœur de Rudjek n'était pas là. Malgré ses marques de respect, ce chien souffre dans l'autre monde. Ah, qui est terminé. Bon, bah super. Je ne regrette aucun de mes actes. La plume sera toujours plus légère que mon cœur. Bon, c'était gratuit, ça. C'était une petite quête gratuite. Oui. Bon. Ah, d'accord, en fait on était juste dans le noir. Bon, écoutez, je pense qu'on va pas tarder à s'arrêter. Tout simplement parce que je crois qu'on a plus le temps. Je vais vérifier quand même. Se me connaissant, ça se trouve je dis des conneries. Bon, si on a largement le temps. On est à 33 minutes. On a largement le temps de confirmer la quête. Et d'ailleurs faut l'activer peut-être. Boum. Ok. Oui, c'est vrai. Je l'avais oublié, Théodoros. D'accord, boum. Alors, on a fouillé tout ça. Normalement, on n'a rien au sud. Ça, c'est une zone beaucoup trop élevée pour nous. Ouais, non, 30-33. C'est vrai que ce serait faisable de faire cette zone. Il y a la quête quotidienne. Bon, ça, je vais m'en occuper dans la prochaine vidéo. C'est vrai qu'il y a cette zone aussi à faire. Et ce serait pas plus mal de s'en occuper... prochaine vidéo. Ouais, on va rester dans le même épisode. Je pense qu'on va tout simplement... Ah, mais Gizet n'était pas terminé. On va tout simplement remonter. Et on va peut-être faire ça prochaine vidéo d'ailleurs. On va aller valider la quête. Et on va d'abord aller explorer ici. On va valider la quête. Et la prochaine fois, on finira d'explorer la région. Bon, ça, à la rigueur, on peut le laisser quand on explorera ici. Bien que... Oui, on va le laisser pour cette zone là-bas. On finira d'explorer la prochaine fois ici. Et en suivant, si on a le temps, et de toute manière, je ferai en sorte qu'on ait le temps, on ira s'occuper de cette zone également, qui est juste à côté et qui a l'air assez petite. Il y a une quête niveau 31 à faire. Peut-être qu'on s'en occupera également. Ça fera un bon boost d'XP. Ça fera un bon boost d'XP. J'ai mis un marqueur sur la zone que je voulais explorer. Oui, c'est assez loin par contre. Donc du coup, je vais faire une micro-coupure, hein, le temps d'arriver là-bas. Mais arrête tes conneries, Bayek. Ouh, il est lourd. Allez, c'est parti, on se retrouve là-bas. Bon, écoutez, tant qu'à faire, tant qu'on passe par là, on va aller s'occuper, on va aller valider cette quête. Hein. Si ça se trouve, on va débloquer une autre quête. Ce que j'étais en train de me dire, c'est quoi? Oh, puissant Anubis ! Va te calmer, toi. Merci, son vrai lait. Ouais, si ça se trouve, on va débloquer une autre quête en validant celle-là. Donc, tant qu'à faire, on va valider ça. Comme ça, on est serein. Oh, puissant Anubis! Non, mais faut se calmer, hein. Merci! Oh, puissant! Le mec, son CD a rayé, je crois. Quelle nouvelle apportes-tu?
Les torches brûlent et leur flamme est intense. Alors je prie Anubis de nous accorder son pardon. Il y avait des amulettes à côté des torches. Est-ce que tu sais pourquoi ? À côté des torches, tu dis ? Ah, ça serait sans doute, c'est sûrement une autre quête. Je garderai les yeux bien ouverts. Mais en attendant, des rebelles des environs ont besoin de soins. Je ne peux malheureusement pas y aller, on a besoin de moi ici. Sophia s'est portée volontaire pour y aller à ma place, mais seulement si tu l'escortes. Je le ferai. Bayek, j'espère que ta traque prendra bientôt fin. Avant qu'elle ne fasse de toi un homme perdu à jamais. Ok. Boum, bon, on a validé la quête. J'ai eu peur à un moment donné, je croyais que ça allait pas me la valider. On n'a pas débloqué notre quête. Pourtant, elle me parle de l'escorter. Bizarre. Lui, il est niveau combien ? Niveau 35, Fléau Dator. Ouais, c'est vrai qu'il y a un filac là-bas, ça me fait un peu peur. Bon. Du coup, bah, comme je l'avais annoncé, on va aller fouiner là-bas. Ah ! De nuit, parler à Sophia des besoins des rebelles. Eh bien, écoutez, ça ce sera pour la prochaine fois. Bien que... Non, ce sera pas pour la prochaine fois. Parce que ça se trouve, on va devoir aller dans une zone à explorer. Donc, avant de s'aventurer, hop, on va faire ça. Voilà. On va activer le bazar. Comme ça, on va engager le truc. Ce sera fait. Et la prochaine fois, on fera cette quête. On est juste à côté, hein. Je reviens beaucoup sur ce que j'annonce, mais j'essaie de suivre une certaine logique. J'ai un certain code sur ce genre de jeu. J'ai un code de conduite et j'essaie de. Le problème, c'est que sur ce genre de jeu, c'est très adaptable, quoi, en fonction de ce qui se passe, de là où on va, de là où on se trouve, de ce qu'on a à faire, de ce qu'on a exploré. C'est un tout. Voilà. Je suis assez philosophe à mes heures perdues, je sais. Allez, boum, c'est bon. Et ça, je crois qu'il faut le faire une trentaine de fois, hein, il me semble, pour avoir un trophée caché. Je le dis au cas où, si ça vous intéresse. Oui. Ravi de te voir, Namrout. À ce que je vois, Nefertari a envoyé des renforts. Il s'appelle Bayek. C'est un grand ami de Nefertari. Je lui ai demandé de venir et il a gracieusement accepté. Comme nous tous, je crois. Il paraît que tu as des ennuis. Je dois un service à Nefertari. Bon, s'il en est ainsi, suis-moi et ne t'éloigne pas. Un long voyage nous attend. Ok, bah écoutez, on va s'arrêter là. Je fais pause histoire de pas être brouillé par les potentiels dialogues à venir. Je vous dis à très vite pour la suite de ce let's play. Plein de gros bisous. Ciao tout le monde.